Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne YouTube Amour, Gloire et Beauté, puisque d'avoir de l'abondance en amour, en vie matérielle et financière et en bien-être physique et mental et émotionnel, c'est notre droit de naissance. Donc j'ai décidé de rebaptiser cette chaîne YouTube Amour, Gloire et Beauté. Non, je plaisante, mais je plaisante qu'à moitié les filles, hein. Donc si vous avez envie de continuer à vivre cette expérience d'amour, gloire et beauté, eh bien venez nous rejoindre sur J'ose ma vie, sur le groupe privé J'ose ma vie. Alors comment on fait? Ben, on frappe à la porte. Ah, comment ça on frappe à la porte? On répond aux trois questions. Donc là maintenant, si vous voyez refuser, je vais plus vous mettre en commentaire non, merci deux. Parce que je suis un petit peu fatiguée de faire ça. Donc, si vous postulez sur J'ose ma vie et que je vous refuse, eh bien, c'est soit vous n'avez pas répondu aux questions, donc évidemment, j'ai pas pu vous faire rentrer, ou alors vous avez répondu puis vous avez oublié de valider. Et moi, ça fait comme si vous n'aviez pas répondu. Bah, vous repostulez, vous validez vos réponses. Voilà. Et deuxième chose, je vous rappelle qu'on fait un super soin de pleine lune. Hein. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder la vidéo d'hier sur la pleine lune si vous ne l'avez pas vue. Il y a, c'est la pleine lune dimanche et on fait un super avec mon copain. Allez, je vous le montre, il est là, c'est Sananda, c'est Jésus, hein. Il n'y a rien de religieux là-dedans, les filles, c'est voilà, hein, c'est une énergie, eh bien on fait un super soin, et là, Sananda, il envoie du lourd, on va travailler sur l'abondance, abondance d'amour, gloire et beauté. Allez, en attendant, c'est parti. Alors, il n'y aura pas de vidéo cet après-midi, ben non, parce que je serai dans le train. Et que je ne sais pas, je vais pas avoir le temps d'en faire une, parce que mon assistant n'est pas très disponible à m'aider. Donc, du coup, eh ben, on n'aura pas. Il y en aura demain. Mais il y aura demain une vidéo demain matin et une vidéo demain après-midi pour les énergies de la semaine, hein, quand même. Hein, et du week-end quand même. Mais voilà, cet après-midi, il y a grève de vidéos. Il y en a plein à voir. Hein. Allez, on y va. Et puis, il y a plein de trucs sur J'ose ma vie quand même. Hein. Je suis quand même assez présente. Donc, je pense qu'il y a matière à venir travailler et voir ma trombine et écouter ce que j'ai à dire. Allez, message du jour. Qu'est-ce qu'on a? On a le soleil. Eh oui, amour, gloire et beauté. Voilà. J'ai envie de dire. Le message, il est très très simple. Hein. Sananda me dit souvent ça. Il me dit, tu veux du bonheur, tu veux de la joie dans ta vie, tu veux de la réussite, tu veux être heureuse. Eh bien, sois ça. Sois pour les autres. Sois pour les autres ce que tu veux que la vie te donne. Eh bien, moi, je me lève tous les matins en me disant, je veux être un rayon de soleil dans la vie des autres. Je veux être la joie. Je veux être la joie sur pattes, un rayon de soleil sur pattes, la bonne humeur sur pattes. Voilà, quand je croise des gens, et vous voyez, hier j'ai passé du temps, j'ai déjeuné avec une amie le midi, j'ai déjeuné avec des copines le soir, eh bien, ma seule ambition, mon seul truc que j'avais envie, hein, c'était très simple, c'était qu'elles se disent, waouh, c'était super de passer ce moment avec Sylvie, parce qu'on a passé un bon moment, parce qu'elle est joyeuse, parce qu'elle est positive et parce qu'elle rayonne. C'est tout, c'était. Je suis pas venue pour leur casser les pieds. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas parlé de choses qui étaient compliquées dans nos vies, c'est pas, mais on n'a pas parlé que ça. Je veux dire toujours, soyez pour les autres ce que vous voyez, ce que vous voulez qu'ils soient pour vous. Soyez pour les autres ce que vous voulez qu'ils soient pour vous. Vous ne tiendrez pas si vous tirez la gueule, si vous faites la tête. Ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être triste, bien sûr, moi ça m'arrive. Mais si vous êtes triste, si vous vous plaignez, si vous critiquez, eh bien c'est ça que vous recevrez dans votre vie parce qu'on attire ce qu'on est. C'est comme ça. Moi, quand je suis dans des phases caliméro, ou quand je suis dans des phases à critiquer, ou quand je suis dans des phases à faire pia, 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 eh bien j'attire des gens comme ça. Et si vous rayonnez, bah, vous allez voir. Hein, moi, j'ai dîné, je passe du temps avec des gens qui parfois peuvent être comme ça. Et si moi, j'ai décidé d'être dans une énergie de joie et de bonne humeur, eh bien ça mine l'énergie de joie et de bonne humeur. C'est contagieux, la joie et la bonne humeur. Mais la tristesse et la rancœur et la méchanceté aussi. Donc aujourd'hui, choisissez d'être un rayon de soleil pour les autres, même si tout n'est pas parfait dans vos vies. Et bien sûr, tout n'est pas parfait. Mais c'est pas pour autant, c'est gratuit ça. Soyez le rayon de soleil de quelqu'un aujourd'hui. Au moins une personne. Allez, choisissez ça et vous allez voir. C'est comme ça qu'on changera le monde et pas autrement. Je vous embrasse, hein. Je vous dis à demain parce que comme je vous le répète, je ne serai pas là cet après-midi, je serai dans le train. Si Monsieur Lino veut bien se bouger un peu et monter dans son sac de voyage, non, je rigole. Et on se retrouve demain matin.